So far, I've managed to travel across Europe, Turkey and Ukraine. I've done over 12 countries. Le voyageur du futur, c'est lui, Félix Weiss, un aventureux jeune programmeur qui a décidé de faire le tour du monde sans argent. Sans argent pas tout à fait, sans argent liquide. Ce jeune homme n'utilise pour subvenir à ses besoins que des bitcoins, cette monnaie décentralisée issue d'Internet. Contrairement aux monnaies courantes, la valeur d'un bitcoin n'est pas régie par les banques, mais par un vaste réseau d'internautes qui, comme Félix, insufflent de la valeur à cette devise. Every day I try to pay for the hotel with Bitcoin or for flights with Bitcoin, which can be done using different websites. But paying people in person, like really person-to-person payments, what Bitcoin is actually all about. You don't need a middleman, you paying the person directly. It's not always easy. À 27 ans, ce drôle de voyageur a traversé la moitié du globe. Il prévoit de boucler son voyage en 365 jours, mais peut cheminer en sécurité. Il est le seul voyageur au monde à l'abri du vol, mais il s'est aussi rendu compte qu'il n'était pas le seul à utiliser le Bitcoin. When I was in Hungary, I was very surprised. In Budapest, there's a hostel that accepts Bitcoin directly. There are many restaurants. There are Bitcoin ATMs where you can buy and sell Bitcoins. In the beginning, the most difficult country was actually, I think, Bulgaria. Nobody would accept Bitcoin. Later that week, when I was in Bulgaria, I learned that there's actually a like deal site where they accept Bitcoin. I would have could just bought my ticket there with Bitcoin and go eat with the restaurant. Félix est en Grèce, mais malheureusement, il ne prévoit pas d'utiliser ses bitcoins pour sauver l'économie locale. La prochaine étape de son voyage, ce sera l'Israël.